Bonjour, ici Missing. On se retrouve pour l'épisode 30 du Challenge Apocalypse. Donc on va s'occuper de ça et après on fera le résumé de ce qu'on a fait dans l'épisode précédent. Donc Dahlia, continue à chercher. Je pense à un de mes jouets préférés, je n'arrive pas à le trouver, je commence à me manquer, cela me rend triste. Je suis sûr qu'il est dans son coffre. Continue à chercher, joue avec un autre jouet ou ce n'est pas grave d'être triste. Bah écoute, on va faire ça. Oui, c'est pas grave, pour le son très responsable. Donc, de toute façon, mademoiselle va avoir son anniversaire dans la nuit, puisqu'elle est dans la nuit ou la prochaine fois, enfin la prochaine nuit. César a été à son premier jour de travail et il a eu une promotion. On a eu la confirmation que le très responsable permet d'éviter d'avoir à faire la tâche du jour, puisqu'il l'a déjà faite, sans que j'aie rien eu à lui faire faire. Et surtout, quand il va au travail, il travaille dur tout seul. Donc, demain, mercredi dans le jeu, demain jeudi, pardon, dans le jeu, il retourne travailler. On va voir si éventuellement il peut arriver déjà au niveau 5. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Et puis toi, on va te faire faire tes devoirs, comme ça, éventuellement, tu remonteras ta responsabilité. De toute façon, tu vas pas à l'école demain, vu que tu grandis dans la soirée. Va faire tes devoirs, voilà. Ton papa va t'aider. Je sais pas où tu vas faire tes devoirs, mais tu vas les faire. Ah oui, alors toi, par contre, on voulait. Oh, je croyais qu'Eda était rentrée. Non, bah, Eda était pas rentrée, du coup, quand on s'est quitté. Par contre, du coup, toi, tu vas me prendre une portion. Comme ça, on va s'occuper de toi, tu seras en forme demain. Toi, tu peux aller dormir, Eda. De toute façon, t'as besoin de te reposer. Toi, bah écoute, tu vas prendre une portion de là. Au moins. Oui, parce que du coup, hier, Eda était en congé. Et du coup, elle a décidé que, alors que Jules venait de finir de faire un plat de fruits grillés, qu'elle allait faire un plat de fruits grillés, elle, de fruits grillés, de fruits grillés, de fruits grillés elle-même. Et du coup, elle a fait son petit plat normal, alors qu'il y a un plat excellent à côté. Bref, du coup, on a deux plats et ça me permet de faire manger Jules sans avoir à faire faire à manger. Hop. Toi, t'as fini. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, écoute, on va poser ton journal intime là. Voilà. Comme ça, t'as rien dans ton inventaire. Et ça me permet de pas oublier. Ah oui, alors je sais pas si je l'avais reprécisé dans l'épisode précédent, mais du coup, le dernier trait de César, pour finir ce magnifique caractère, c'est une personne avec qui on a envie d'habiter, il est glouton, morose et immature. Heureusement qu'il est responsable. Alors, il est immature et responsable, c'est quand même un mélange assez intéressant. Alors, du coup, tu vas hop aux toilettes. Tu vas te laver les mains et tu vas aller, une fois que tu auras fini, tu vas aller lire un livre. Alors toi, tu vas faire le ménage. Nettoyer, hop, nettoyer. On va tout nettoyer. Voilà. Pourquoi tu veux retourner aux toilettes? Ah oui, ok. Qu'est-ce qu'il y a toi? Oui, alors discutez si vous voulez. Hop, tu as fini de te laver les mains. T'as fini. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer avec ton père. Comme ça, vous allez pouvoir papoter en même temps. Parce que du coup, le coup qu'il nous a fait hier, c'est que. Enfin, dans l'épisode précédent. C'est qu'il allait au travail et il a de nouveau eu son super moodlet, comme quoi il était stressé parce qu'il joue pas, parce qu'il joue pas assez. Ah mince, je crois que t'as fini tes devoirs? Oui, bah alors. Donc du coup elle a récupéré son très responsable, c'est génial. Elle va aller dormir, de toute façon on s'en fiche. Toi, mais vous avez fini de jouer, alors bah, tu vas rejouer. Hop. Voilà. On va essayer de lui monter son divertissement le plus possible, histoire que demain il se retrouve pas dans le même cas et qu'il soit stressé après. Ceci dit, même en étant stressé, il a eu sa promotion, donc c'était déjà pas mal. Alors tu vas refaire une partie avec ton père, voilà.
Comme ça. Et après, tu iras dormir. Bon, après, vu qu'il a un lit un peu mieux que celui qu'il avait avant, normalement, il devrait pouvoir récupérer. On va laisser terminer. Oups, alors pendant ce temps, Dahlia va sûrement grandir. Par contre, du coup, je voulais faire un truc vite fait avant d'oublier. On va rentrer les traits de tout ce petit monde dans le petit générateur. Parce que j'ai encore oublié après. On va juste alors, on va faire ça. Alors, elle est joyeuse. Gleeful, c'est où ça? Ou c'est autrement? Cheerful, j'ai pas le mot. Crasseuse. Alors, il est où? Là. Et c'est une génie. Il est là. Toi. Tu es bro. Family oriented. Il est où? Là. Non, c'était pas le bon. Là. Et. Bah alors, toi, tu vas pas dormir. Qu'est-ce que tu fais? Ah, super. Et du coup, tu es un... Bah oui, tu es comme ta femme, tu es crasseux. Voilà, et la petite, elle est active. Voilà. Donc toi, tu vas dormir en espérant que... Alors, tu travailles à quelle heure? Dans 8 heures. Donc bon, on va te laisser dormir. Ouf. Non, à 9 h, tu travailles. Qui s'est réveillé? Ah, oh, t'as faim, mais c'est pas grave, écoute, tu dors et tu nous embêtes pas. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah, maintenant c'est elle. Bref, elle a déjà son moodlet, qu'elle est triste avant même d'avoir. Alors, je sais pas quel vêtement elle va avoir, mais. Voilà, et du coup, on va active. Qu'est-ce qu'elle a? Oula, elle a un look. Ouh, magnifique look. Elle est où? Elle est active, snob. Elle est où, snob? D'ailleurs, je me suis pas trompé, j'ai pas mis. Ah non, mais je sais pas en fait, du coup. Bon. Elle est snob. Voyons voir. Il est où? Je l'utilise jamais ce truc. Snob. Ah, je crois que je l'ai vu là. Snob. Et elle veut être. Mixologiste, c'est dans la nourriture, je l'ai vu passer et... Voilà. Waouh. Alors, elle a l'air jolie, mais la coiffure et les lunettes, c'est très... Mais pourquoi elle a des sourcils blonds, par contre? Et elle a des yeux gris. D'où il sort ses yeux gris? Gris-vert, peut-être, bref. C'est un look magnifique. Alors, écoute, t'as toujours faim, mais du coup, tu vas dormir. Toute façon, non, bah alors, va pas dormir là-dedans. Va dormir là. Hop, je me brûle. Et bien, écoute, voilà, tout le monde. Ah, un fantôme. Un vampire. Non! Non! Alors, écoutez, hop, on va faire un truc. Surtout pas lui. Verrouiller la porte pour tout le monde sauf les membres du foyer. Alors, vas-y, va bouffer des gens qui sont là. Non, 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 non! Putain, mais. La porte est fermée, la porte est fermée, tu ne peux pas rentrer. Putain, mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Non, 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 réveille-toi, réveille-toi. Alors attends, j'ai pas trop compris. D'accord, bon bah écoute. Bah oui. Et elle est enfermée. Je pense que potentiellement ça peut donner un... Ah, écoute, autoriser l'accès. Annuler, débloquer. Toi dors. Ben voilà, c'était la technique. Par contre, je pense qu'elle va rester avec ses... Non mais, tu veux pas rentrer chez toi? Ou tu vas faire le ménage? Ben écoute, fais le ménage hein, si tu veux. Bon, tu sors ou... Bon, écoute, hein, tu vas lui demander de te casser. Bonjour.
Alors elle fait comme chez elle, hein. Bon, toi maintenant que t'es réveillé. Alors tu vas aller aux toilettes, ok, on est content, on est d'accord. Tu vas aller aux toilettes, par contre, tu vas faire à manger. Ok, donc je ne peux pas. Bon, alors bon, on va attendre que le vampire soit parti. Griller les fruits grillés. Alors, demande-lui de partir. Toutou, amical. Au revoir. Demandez de partir. Alors, ça va être un problème si elle se casse pas toute seule. Ok, bon, bah écoute. Tiens, c'est à nouveau lui? Oula! Vincent, Vincent Robert. Qu'est-ce que tu. Ok, super. Monsieur Vincent Robert. Bon, est-ce que Véronique peut partir? C'est possible ou pas? Demander de partir. Bon, de toute façon, elle s'en va d'elle-même, apparemment. Donc, maintenant qu'on a récupéré le contrôle, on peut remettre ça là. Hop. Hop. Vas-y, bah, va aux toilettes. Toi, t'es. Ok. Toi, t'es OP. On va utiliser. Ok. Non, n'utilise pas ça. On utilise celui du bas. Non, alors tu vas. Mais. Elle est pas possible. Il y a à manger là. Ne va pas faire à manger tout ça. Où est-ce qu'il est passé le journal intime de. C'est le vampire qui l'a rangé ou. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, voilà. Non, alors, tu arrêtes de vouloir faire à manger, voilà. Tu vas prendre un plat. Toi, t'as faim, donc toi aussi tu vas prendre un plat. Toi. Oups, non, raté. Non, Siri, on n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que c'est? Une soirée mondaine? Non, j'ai dit. Non, j'ai dit qu'on n'avait pas besoin de toi. Moi? Je ne suis qu'un humble assistant. Au revoir. D'accord, Patrice, à plus tard. Faut lui expliquer les choses clairement, sinon on comprend pas, le pauvre. Alors. Arrêtez. Oui, bah, il a tout cassé. Bon, tu vas te dépêcher de manger, s'il te plaît, parce que t'as tout cassé. Et c'est pas bon. Pourquoi tu pleures, toi? C'est pas comme si ta fille venait de se faire manger par un vampire. Alors. Oui, bah, dépêchez-vous de manger, s'il vous plaît. Oups, alors toi t'es en forme. Alors, utiliser, nettoyer, se laver les mains. Bon, par contre, je pense qu'elle va avoir ce truc autour de la tête jusqu'à ce qu'elle au moins qu'elle quitte le terrain. Toi, non, répare. Mais alors, finis de manger et. Ok. Toi, nettoie. Toi, va jeter. Ou alors elle va t'hypnotiser jusqu'à ce que le moulette disparaisse. Donc, ensuite, quand tu auras vidé ton assiette, tu vas aller, amical, demander de regarder les nuages. Hop. Voilà, vous allez regarder les nuages. Toi, non, tu vas lâcher ce livre, tu vas essuyer. Toi. Quand t'auras fini de nettoyer, de te laver les mains et tout, tu vas aller. Non, tu vas pas lire le journal, tu vas manger. Hop, vous deux. Hop, alors, 56, 57. Hop, c'est l'heure d'aller au travail. Il veut une promotion, mais peut-être que tu l'auras, on verra. Toi, bah, va te laver les mains. Non, pas les dents, les mains, s'il te plaît. On va juste revérifier encore une fois qui travaille dur.
Travailler dur. Ceci dit, en fait, on a eu une promotion la fois d'avant parce qu'on a une carte chance où, du coup, on a choisi la bonne réponse et on a eu un gain de performance moyen. Donc, potentiellement, c'est peut-être pour ça qu'on a eu la promotion. Donc, je pense pas qu'on aura cette fois. Mais bon, on va essayer d'avancer le plus possible vers cette promotion. Attention, il est déjà niveau 4, c'est déjà pas mal. Il est déjà niveau 4 et il lui reste 21 jours avant d'arriver. Potentiellement, on va devoir pas avoir trop de problèmes à débloquer cette compétence. Tu veux pas parler avec ta mère en attendant? Tiens, oups. Hop, alors toi. Ouais, pof. Tu veux pleurer? Oui, mais non, tu vas pas pleurer. Tu veux pas venir parler à... Oh bah, il a tout cassé, il va recommencer. Toi, tu veux pas venir parler à ta fille un peu? Je sais pas, la consoler, tout ça. Essayer de réconforter. Mais laisse-le tranquille. Lui, il va réparer l'évier. Allez, répare-le, nettoie-le. Bon, tu devais pas aller réconforter ta fille par hasard? Au lieu de rester dans les pattes de ton mari, là? Plus de choix. Essaye de réconforter. Hop, essuie. Ah mince. Ah. Il veut pas me donner la deuxième, alors j'aurais dû. Ce qui serait bien, du coup, quand on passe dans l'inventaire, dans le mode achat, c'est qu'on puisse sélectionner plusieurs objets à la fois, qui est un raccourci. Histoire qu'on puisse tout déplacer en même temps. Des fois, ça serait super pratique. Ouais, alors, elle a fini. Hop, toi, va consoler ta fille. Plus de choix amical. Essaye de réconforter. Voilà. Allez. Voilà, normalement. Je sais pas si ça a marché du coup. Ouais, ça a marché. Maintenant, elle veut s'amuser. Donc, elle va aller jouer avec sa mère. Hop, aux échecs. César a un délai très important qui approche et doit absolument trouver un moyen de respecter. Bon, je vais demander de l'aide. Ouh, encore un gain de performance. Si on a ça tous les jours, on va bien s'en sortir. Disons, dans tous les cas, je pense que le cacher dans le placard, ça aurait été une catastrophe. César demande de l'aide, mais tous ses collègues sont déjà en retard dans leur travail. César parle du problème à son patron qui apprécie sa franchise et repousse le délai. Hop. Et bien sûr, ça aussi c'est cassé. Parce que du coup, oui, il travaille dur encore. Ah, ça monte, ça monte. Et quand tu auras réparé ça, tu vas pouvoir essuyer. Alors il y a lui, je crois que c'est le coloc ou son frère, je sais pas, de Elodie, qui est la fille qu'on a plus ou moins choisie pour César, sauf si autre chose passe, qui est plus sympathique, on va dire, enfin quelque chose, une autre cimette qui passe. Tiens, tu vas nettoyer. Parce que du coup, toi, il va falloir que tu. Est-ce que tu peux faire. Tu peux faire ces deux. Je sais pas du coup s'il y en a un autre. Raté. Va jouer avec ta mère encore. En tout cas, elle a l'air très très jolie. Hein. On va pas bien le voir. On n'a pas vu sa tenue. Oups. Alors par contre là, du coup, on va en profiter pour faire ça. Allez. Je sais pas si ça va lui faire remonter sa distraction. Tiens, vu qu'elle est active. Oula. Ah bah oui. Par contre, elle a une tenue magnifique. Et des lunettes de soleil et tout, c'est sûr que dans la cave, c'est très utile. Alors oui, alors toi, t'as besoin de te laver. Non, pas les dents. Par contre, les mains, ça serait bien. Lave-toi les mains. Hop. Oui, ben, Shwaibi, ok, va te laver les mains, s'il te plaît. Toi, t'as besoin d'aller aux toilettes, donc tu vas aller aux toilettes. Qui c'est qui passe dans la rue? Mais de toute façon, elle est pas là, oui. Ah, une nouvelle. Katarina. Alors, elle a des chats.
Potentiellement. Il faudrait que je. On va voir. Ah oui, mais de toute façon, il la connaît pas. Il est pas là. Donc, ouais, on va voir quand même au cas où. Je verrai éventuellement si ça peut être une meilleure solution qu'Elodie, tiens. Pour changer, on va tester les nouveaux PNJ. Tant qu'on peut. Et puis ça permettrait d'avoir un petit roux aux yeux verts encore. Pour ceux qui suivent mon legacy. Comprendront de quoi je parle. Alors, toi. Bon, t'es active, ça monte pas super super, mais c'est pas mal. T'es quand même pas mal forte en résolution de conflit, toi. Je sais pas comment t'es arrivé là, mais. Toi, bah vas-y, allez-y. Oh, c'est bientôt son anniversaire. Je sais pas si ça sera aujourd'hui, mais. C'est bientôt son anniversaire. Toi, t'en es où dans ton. Ouh. Peut-être qu'il aura sa promotion aujourd'hui finalement. Au pire, il l'aura demain. Ah bah tiens, Elodie, bah écoute, il est pas là. Alors toi, si tu vas au feu. Non, tu laisses ta fille tranquille. Alors toi, tu recommences s'entraîner à frapper. Non, c'est pas la bonne personne. Ouf. S'entraîner. Voilà. Ouf. Là, je comprends. Va ranger ton livre. Toi, qu'est-ce que tu fais? Rien, pas grand-chose. Bah écoute, tu vas essuyer. Tu vas tirer la chasse, tu vas faire pique comme une championne. Et. Ah oui, bah alors toi tu fais plus rien du coup. On va ranger ça, tiens, parce que. Hop. Mais du coup tu vas manger, comme ça sera fait. Toi aussi. Comme ça, on n'a rien perdu. De toute façon, on va pas s'inquiéter des kilos en trop maintenant. Ah oui, alors il faudrait qu'elle gagne du charisme aussi. Je sais pas si on lui. Non, on lui avait pas fait monter du tout le charisme. Ceci dit, c'est pas le monde plus compliqué. Ah, mais je l'ai même pas vu en fait. Elle a des gants sur sa tenue de sport. Donc, en fait, elle a des. Ou alors elle a un gant de bowling. Donc elle a un gant de bowling sous ses gants de boxe. Double protection. Qui a laissé un verre d'eau? C'est toi. C'est toi qui as bu de l'eau. Boisson au goût doux. Une boisson pleine de douceur peut rendre une journée un peu plus belle. Bah oui, mais t'as bu de l'eau. Alors, c'est bien l'eau, c'est la vie, mais je pense pas que t'aies de l'eau particulière dans ton robinet. Mais c'est bien, ça descend pas trop vite l'hygiène chez elle. Enfin, bon, j'ai rien dit, c'est au moment où je dis ça qu'elle a une flèche avec trois trucs rouges. Mais toi, du coup, t'es plus. Ouais, je sais pas en fait, on verra, peut-être. Je pense pas, mais il y sera très proche quoi. Au pire, le dimanche, il aura sa promotion. Donc il sera déjà au niveau 5. C'est déjà pas mal, hein. Il était adulte. Hein. Au bout d'une semaine, il est niveau 5. Plus que 5 niveaux, c'est déjà pas mal. On voit les douches à l'horizon. Les douches qui se profilent. Ah oui, alors écoute, hop, maintenant que t'as fait ça, tu peux tout ranger. Alors la bonne nouvelle du coup, c'est que quand monsieur sera senior, ils vont pouvoir faire des bébés. Enfin, faire des bébés, ils vont pouvoir faire crac-crac, ça les occupera. Tu étais toujours en train de faire ton sport. Ça fait, c'est bien du coup, ça va, on va trouver ce on a trouvé ce qu'on va lui faire faire quand elle sera. Quand elle sera en manque de distraction, elle ira taper un petit peu sur le punching ball. Je sais pas du coup si ça lui fait monter quelque chose ou pas, parce que ça fait du sport. Non, ça aurait pu faire monter le contrôle des émotions. Peut faire des interactions, courir pour se vider l'esprit. On pourrait frapper le punching ball pour se libérer l'esprit. Enfin, se vider l'esprit. Libérer, c'est pour les fantômes. Bon. Oui, alors, oui, bon, tant pis. Ce sens svelte, sûr qu'elle était très grosse. Bon, par contre, du coup, c'est nul, elle a plus le. S'entraîner à chanter. Ceci dit. On va essayer de faire un truc. Hop, on va faire ça. Ah, bah, toi, tu dors, t'es fatigué, tiens. Bon, bah, bah, écoute, va dormir. Ça t'occupera. Enfin, ça t'occupera. Oui, ça t'occupera. Et toi, tiens, t'as qu'à lire le livre de ton fils, qui est fiction. Où est. Ah, j'ai cru que t'allais le ranger.
Alors, j'ai cru que t'allais le lire. Non, elle voulait le ranger. Hop. Hop, César est revenu. Bon, il a pas eu sa promotion, tant pis. Donc il est fatigué, il a faim, il veut s'amuser. Hop. Prends une portion. Il peut manger avarié, donc c'est pas grave. Toi, tu te sens toute sale. Tu es où? Je t'ai perdu. Tu es là. Ouais, bon, ça fait monter. Pas énormément, mais ça fait monter. Je sais pas si ça. Ceci dit, comme ça, de temps en temps, on lui fera faire ça. On va essayer de lui faire monter le contrôle des émotions. Voilà, donc elle a gagné du contrôle des émotions. Elle va aller. Ouh! Ça va. Ça aurait pu être pire niveau tenue. Hein? Bon, ça fait. Bon, ceci dit, elle est snob. Donc, c'est pas trop mal avec. Ça fait un peu snob, effectivement, de s'habiller comme ça pendant l'apocalypse, mais ça va pas trop mal avec son caractère quand même. Bon, sa coiffure fait un peu plus rebelle, mais c'est une snob rebelle. Oui, bah, tu. Vas-y, va te nettoyer. Va te nettoyer, va te laver. Toi. Ouais. De toute façon, tu travailles pas demain, je crois. De toute façon, il aura sa promotion dimanche, c'est sûr. Donc il travaille pas demain. Oh écoute, il va lui pouvoir Oups, il va pouvoir aller dormir. Hein. Il va se reposer avant toute chose. Et bon, t'as atteint le niveau 3 à la compétence comédie. Ok, toi, tu vas aller dormir aussi. On va s'occuper de la demoiselle. Qui. Elle est pas su. Franchement, elle. Non. Non, tu fais pas à manger. Déjà, tu jettes. Alors, elle fait des burgers végétariens en plus. Hop. Tu t'occupes de ça. Hop. Tu t'occupes de te laver les mains, s'il te plaît. Pour être toute propre, pour aller à l'école demain. Elle a pas fait ses devoirs. Alors, écoutez, elle va faire ça. Elle va utiliser. Voilà. Oups, par contre, c'est sale. Elle va sortir ses devoirs. Elle va faire ses devoirs. Non mais. Voilà. Toi. Tu vas te lever. Non mais. Tu vas pas faire. Bon écoute, tu vas ouvrir. Tu vas faire à manger. Et. Alors, on va faire juste ça. Tu vas faire à manger. Et. Une fois que tu auras fini, tu iras l'aider à faire ses devoirs. Hop. Là. Oups, par contre, si j'oublie de te faire faire à manger, ça va être compliqué. Faut griller. Hop. Toi, tes devoirs. Oui, t'es fatigué, je sais. Mais finis tes devoirs au moins. Oups, t'as fini tes devoirs? Ou t'en as marre de les faire? Ah, tu veux pas les faire, t'es trop mal à l'aise. Bon, tant pis. Tu peux aller manger. Hop. Toi. Tu vas aller te laver les mains. Tu vas nettoyer. Et tu vas aller te laver les mains. Tu peux t'asseoir pour manger si tu veux, Dahlia. C'est pas interdit. Tu peux te dépêcher aussi. Non, tu peux te dépêcher de manger. Allez! Voilà, toi tu peux faire le ménage en attendant qu'elle ait mangé. Oh, le ménage. Ouais, apparemment, il voulait pas faire le ménage, mais. Hop. Voilà. Super. Tu veux pas nettoyer ton assiette? Alors que t'es juste devant. Non mais. Bon, elle veut pas faire ses devoirs, tant pis. Elle va aller dormir là. Toi, tu vas aller dormir aussi. Et je pense qu'on va se quitter là pour aujourd'hui. Avec tout le monde en train de dormir. Et voilà. Donc, on se quitte là pour aujourd'hui. Dans l'épisode prochain, je pense pas qu'on aurait de promotion. Puisqu'il faut qu'il aille travailler dimanche.
Mais on va continuer à se pencher sur les compétences de Mademoiselle Dahlia. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve dans le prochain. Salut!